Est-ce que tu vas arriver avant qu'il me défonce? Ouais, c'est bon. Boum. Bien. Oh, punaise. Ah, c'est la phase de choc. Limite après, tu fais une consolidation et ce que t'as en zéro, tu me les envoies en Oltenia? Ça marche. Nickel. Et après, je te les renverrai quand elles seront revenues à niveau. Le stack. Nickel. Oh beau! C'est bon, je prends les petites. Eh ben vas-y, je te laisse avancer. Merde, t'as déjà... Ah, je Non, les ai t'as déjà emmenées, déjà... moi. Ah oui, d'accord, t'avais pas fini. Non. Le problème, c'est qu'en faisant ça... Pourquoi tu me les envoies Missionary là-bas? Strength plus 1%. Les envoies pas là-bas, hein. Ah, on n'est pas assez. Bien ça. Je les envoie sur le territoire là pour qu'on viole un peu, enfin qu'on pille un peu, et l'autre c'est juste pour éviter qu'ils construisent des troupes et surtout que le là on va les autres on va un peu les gratter. Donc c'est pour éviter que le warscore monte trop vite. Mais le Alors j'ai mis problème là en comme faisant ça ce que la tu fais là puissance. de faire des tout petits stacks d'unités qui doivent se recombiner, c'est que ça, l'IA, ça la rend folle. Elle essaye à tout prix d'y aller justement. Même si elle n'est pas censée voir les troupes, si tu les planques de l'autre côté de ton pays, bah, l'IA elle va Ah quand oui. même aller dessus. Et d'ailleurs, ils sont en train d'essayer de Ah me monsieur, contourner. mais bouge pas. 18 000 hommes Bah contre attends, mes bouge pas. 15 000. On va leur donner. Alors je vais les choper. Ah, il y a le. Ouais, d'accord, ouais. Phase de choc, T'as les ouf. renforts qui arrivent. Merci. Ouf, ça pique là. Oh, c'est beau, ouais. T'as 7000 hommes qui arrivent en renfort. Ça devrait le faire. C'est Oh qui le déjà en face? zéro C'est les quoi. Arnates, c'est ça? Ah le neuf, ah mais ils ont Anartes, fait les neuf eux aussi Anartes. quoi. C'est abusé. Ah ouais, les Anartes, ouais, d'accord. Ils ont 8715 hommes et ils ont plus de manpower après. Ils ont tous les hommes qui sont. Toute son armée devant toi. D'accord. Oh, les Achaénides, 52 000 hommes. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Je vais dire aux autres de s'attacher à cette unité. On va essayer de s'avancer. Parce qu'ils sont en train de faire plein de mercenaires, nos Antares là. Dommage. Après, il n'y a qu'un chemin, je crois, pour accéder, non? Je vais prendre une unité. Que je vais essayer d'envoyer en... Ah mais non, non, c'est pas une bonne idée ça. On va rester sur leur capitale et puis comme ça on les fera sortir. Bienvenue à Kadarik, on les fera sortir de la guerre le plus vite Ouais. possible comme ça. Hop. T'as 1000 hommes au Ensuite, je te sud renvoie qui des sont troupes. dispo aussi. Ah ouais. Est-ce qu'on devrait pas les laisser? Je vais les laisser à Biard ou Bizarre ou un truc comme ça, juste en dessous de toi, de manière à t'envoyer en renfort et qu'on limite l'attrition. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, moi, Comme ce que ça, je vais le faire, toi t'as c'est que des troupes qui sont sages. je vais t'envoyer quelques phalanges, justement. Comme ça, en fait, avec Athènes, ça devrait suffire. Avec Thessalie, pardon. Ouais, Ça devrait suffire. Et il je a vais dire 12 000 à hommes. Athènes Voilà, ouais. de s'attaquer à ce mec. Ah Merde. putain, ils arrivent sur moi. Non, non, J'arrive viens sur quand? moi Le directement à 26 avril. Biard. 26 avril. Non, je devrais les choper. Voilà. Enfin, toi, par contre, viens J'arrive. sur moi. Ouh, Oh oui. le 0 contre 9, ça fait mal. Putain, encore un 0. Bon, il a fait 0 lui aussi. Ah. Ah, 9-3 contre un 5. Voilà. Putain, mais on a perdu plus d'hommes que lui, quoi. Ouais, t'aurais dû venir les laisser s'empaler sur moi. Ah, oui, effectivement. Bon, je vais redécombiner. Je te renvoie ça. Non, t'attaches Laissez-la. pas. Laissez-la plutôt. Je les laisse là, ouais. Ah, non, Ouais. pas ici, Non, non, là. non, non. Ouais. Là, dans ce cas. Si. Il faut reprendre le siège.
Parce que ce comte vassal, il est en train de suivre ce stack là, il est pas en train de... il est pas sur le mien. Comment ça se fait? Parce qu'ils sont vassaux, stratégie de guerre, no focus. Et pourquoi ils sont collés à nous, cette bande de débiles? Pff, cherche pas. Non, c'est bon, c'est je bien. Peux l'enlever. Ah bah comme ah ça, oui. Tu les laisses là, comme ça on les laisse se faire attaquer et puis on vient dans le dos, quoi. Exactly. Même Zlaboglox, je préfère même moi me positionner à Zlaboglox, hein. Mais j'ai pas assez de troupes pour aller faire du... J'ai pas assez de troupes ouais, en mais super. Tu les verras pas arriver, on les verra pas arriver. Ah, on ah a ouais, une je sais validée. Ce que tu veux dire, ouais. Donc soit on prend la mission E-Strength maintenant, il nous reste 5 ans. Soit on attend le prochain ouais. Niveau de tech. Non, je pense qu'on prend le missionnaire E-Strength, comme non, ça non. On remonte notre truc. Exactement. Donc voilà, 30 mois, bim et bim, c'est parti. Voilà. Hop, je te renvoie des troupes. Merde. Ah pardon, c'est moi qui les ai combinées. Ah oui, je me disais, je comprends pas. Et on peut réduire notre expansion agressive aussi. Ouais. Oui. Peace offer from... Non, non. Pas de peace offer, faut qu'on aille violer les autres à côté. Et pas le plus, c'est que j'adore où les modos sont bénéfices. Ciao Jibao. C'est quoi, il a un fort particulier ou c'est son... Non, c'est juste son fort capital en fait, donc ça devrait être trop long. Ah, je crois que j'ai vu une armée se déplacer. Tu crois que t'as ah, vu mais un c'était combiné? Sally. C'était Sally qui est allée au nord, qui a fait coucou et qui s'est fait défoncer. Peut-être leur dire de se joindre à moi, cette bande de débiles. Ah non, oh, ils sont fait réforme radicale. Soit on gagne 5 de mercantilisme et on perd 1 de stabilité. Soit notre ouais, master, ouais. Maître de la monnaie, quitte notre cours et on gagne 100 points d'admin. Soit il non, quitte mercantilisme. Mercantilisme pour 1 de stabilité, on retombe à 0. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Okay. Ah oui. Je te prends les 3000 troupes que t'as déstackées, c'est pour les envoyer à chez moi à Boar? Non. À Billard? Non, c'est... Ah. Non, non, j'ai... Si moi, je t'en prends 3000 non, pour éviter le siège. De... C'était parce le que... siège, ça. Justement, les 8000 sont là justement pour venir si jamais ils t'attaquent là où il y a les 3000. D'accord. Je regarde un truc là, ils sont où nos crétins de... Non, c'est pas cet écran là. Ils sont où nos. On nos est pas alliés. En train d'enregistrer pour YouTube, Caudran. Moi, c'est juste un live là. Nos alliés, bah, ils sont en train de lécher leur plaie. Bah, sachant que la Ligue hellénique est en train de t'aider dans ton siège. Ah, les Achaminides ont déclaré une guerre. Guerrea. Le siège en Tirxovit, il se bat. Tu peux peut-être envoyer des troupes à Billard. C'est. Ouais, c'est ce que je fais. Hein. Dès qu'ils sont régène, je t'envoie des troupes. Et là, je les garde dessus pour piller. Ben, eux, je vais les envoyer là, vu que c'est complètement pillé. Attrition. Oh, ils ont décidé de s'attaquer. Oh, mais ils arrivent. Ils sont cons. Ah, S16, ouais. What? Oh, ça va passer. Sérieux? T'as un putain de poisson au dé, toi. Hein, les mecs. Ah voilà, 9-2 contre 1. Je sais pas ce qu'ils ont comme unité, mais... Elles ont l'air puissantes, quoi. Hein. Au fond, mais elles en font rien.
C'est des 1-0-0-1. Bah non, ils sont moins bons que nous. Mais quand je dis moins bon, c'est moins bon. On a plus de discipline, on a la même tactique. On a un meilleur général. Je comprends pas trop. Hein. On avait deux fois plus d'hommes qu'eux. Évite de tout stacker là, peut-être. Enlève certains. Ah non, c'est bon, on prend plus d'attrition. Bah, on va en reprendre dès que. Oula, on a du risque de révolte. De toute façon, je t'enlève. Les paysans macédoniens. Ouais, mais c'est normal ça. C'est lié à la conversion. Zéro de national unrest. Non, non. Et c'est des paysans, c'est pas des. Non, c'est pas des. Des fanatiques. Bon, allez, on est à 49% de siège là. Dès qu'on le fait sortir de la guerre, lui, c'est fini. Ouais. Putain, allez, 56%. On aura perdu beaucoup d'effectifs dans cette guerre. Ouais, 9000 hommes. On a commencé à 36 ou 37000. Ouais, enfin là, il nous en faut encore 7000 hein, pour remplir nos armées. Hein. Ouais, mais ça c'est un détail. Euh, 50 d'admin ou 10 de prestige. Prestige. Je suis d'accord. Bon allez, on fait la paix avec ce mec là. Anartès. Ouais. Ah mais je sais, c'est ouais, peut-être tiens, aussi... Je vais arrêter l'an. C'est peut-être aussi parce que c'était des nomades et qu'ils avaient un bonus au choc dans les plaines. Sur les plaines, ouais. Ben, on va annuler tous ces traités. Ah merde, je peux pas tous les annuler. Ben, j'en annule quelques-uns. Oh putain, j'ai failli faire une connerie, moi. Je fais une pause de l'enregistrement et je le reprends de suite. Ouais. Et parti. Et c'est bon. Voilà. Ok. Hop, bon ben. Bref, je mets toutes nos troupes à Heraclia. Ouais. Voilà. Oui, c'est une bonne idée. Merci. Putain, tous les honneurs. Ah, un mot multisyllabique. C'est dans la tête. Ouais. Du coup, on peut faire la paix avec ce monsieur. Ouais. Je laisse la faire, vas-y. Ouais, hop, bah ça c'est pour déjà transfert déjà le contrôle, voilà, super. Ouais, comme ça, voilà, on sera plus tenté de s'étendre vers le nord. Voilà, hop. Je sais pas pourquoi il est content. Je le comprends, c'est pour... Pff, oh l'autre, il y a 24 gold. Ah, bravo. Cool. Les sujets 15, 35, 39, ouais c'est bon, on est tranquille, ils sont contents. Ouais, je continue de fabriquer des claims à Sinop. Il a chopé le... L'Empire Ottoman, il a... La Chaménie, tu vois. Ah c'est bon, je te vois gérer. Bon, enfin c'est maintenant il a fait l'Ottoman quoi, il a chopé Trébizonde, il a chopé Sinop. Il a chopé Garaman. Et on a tech militaire. Non, on va pas prendre tech militaire. C'est trop tôt. Surtout qu'on n'est pas en guerre. Bifi. Ah merde. Faudra qu'on. Bah attends, je vais rappeler l'autre là-bas. Vas-y. En Égypte. Je vais canceller le military access qu'on a qui nous bouffe une ressource. Et. Bon, voilà, je te prends un diplomate et je commence l'annexation de Thessalie, là, par contre. Hein, parce que ça va prendre jusqu'en mai 457. Ouais, ça va pas de soucis, ouais. Donc on peut commencer. Ah ouais, d'accord. Vas-y, ouais. Pas de soucis. Ouais, l'Egypte, là, il a pas on décidé à de s'embêler. 5 par mois de coûts diplomatiques. Hein, du coup, on va avoir de légers problèmes. Et encore, on a l'idée qu'il y a. Ouais, c'est bon, on arrive quand même à être à plus 2. Ouais, on est à plus 2. Moi, c'est que c'est plus rapide, en fait. Ouais. Military Tech, bah Military Tech, je dirais, on attend d'être à 999. Macrintor, c'est lui. Ah, on a un héritier. Yep.
Ah bah voilà, il... Oh. Alors on voit le à la guerre, lui. 4, quoi. Ah ouais, direct. Non, il a pas l'âge. Comment ça, à 3 ans, tu peux pas diriger nos troupes? Les Spartiates, à 3 ans, ils peuvent diriger nos troupes. C'est là, en fait, que pour moi... Bah exactement, ou sinon, ils faisaient la fosse. C'est là qu'en fait, ce qui manque, c'est le... T'as changé ton prénom. C'est le... Pour NB77. C'est le... Ce que j'aime bien dans Crusader King, c'est ce côté, en fait, vous savez, où en fait, on a notre lignée, on peut faire les mariages qui ont un impact, et surtout, on peut assassiner son fils. C'est vrai que ça manque dans Europa, c'est... J'aime pas ce côté trop aléatoire. C'est la première fois que j'y ai joué, c'est une des raisons pour lesquelles j'y ai pas joué pendant des mois après sa sortie. Pendant 3-4 mois, j'ai pas touché à Europa, parce que j'étais sur Crusader et que j'étais trop déçu qu'il n'y ait pas du tout les mécaniques comme ça. Puis au bout d'un moment, au final, je m'y suis mis et j'ai kiffé, quoi. Ben, c'est comme ma... Comment dire ? Comme ma partie avec la Pologne, où je me retrouve sous union personnelle de la France, quoi. Ouais. Et là, on dit, bon, je vais devoir leur déclarer la guerre. Super. Ouais, surtout, on dit, mais non, je vais pas. Bon, j'ai clémé partout là-bas. Là, hop, on fabrique la petite dernière. Où est-ce que je peux clémer encore? Ah bah non, c'est tout. Est-ce qu'on pourrait clémer en Égypte? Ah, t'as vu que la Ligue hellénique a colonisé Raguse et Dalmatie? Oh, énorme! C'est bien! Comme ça, quand on va l'annexer... Je vais le voir ça là, je regarde la... On sera encore plus grand. Ouais, je regardais ce que je pouvais... Ouais, je regardais où je pouvais fabriquer des clèmes et je dis, mais pourquoi on peut clémer ici? Ah, c'est vrai que les clèmes, c'est... Ça suit... comment dire? Ça suit la portée des vassaux. Bon, en fait, je voulais plutôt un truc vert. Non, justement. Mais en fait, j'ai vu un truc vert, je dis, mais comment ça se fait qu'il y a un truc... Je dis, c'est quoi ce truc vert? Tu sais, on voit une limite de frontière. Et je vois Hellenic League. Je dis, qu'est-ce qu'ils font là? Ah, Rome, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Ils en sont à triplé de taille. Ouais. Moi, je pense que ce petit pays là-bas sera insignifiant à l'avenir et qu'il ne présente aucune menace. Rome. Ah. Surtout, il est pas de notre côté, quoi. Il joue dans la cour des petits. C'est clair.